Bonjour, tout bonsoir peuple congolais, et nous tous aux occasions, il y a Kolanda Biso, n'est-ce pas, la chaîne Yassika Oyotobandi. Je vous ai dit de s'abonner massivement à la Katia chaîne Nabiso Oyotobandi Yassika pour la bonjour nouvelle Nabiso Ndenge Zalikoya politiquement. Mais n'oubliez pas, nous sommes aussi dans notre chaîne chrétienne. Akbif Konde Ministries, autres au conseil, la Penzamé Nabiso, donc ce n'est pas interdit à un homme de Dieu de parler aussi politique. Malheureusement, chez nous, en Afrique, vous avez la religion, surtout dans le pays que nous sommes, Nenge et Salamoussa Nango, pour détruire un peu conception et abattu ébélé. Alors, le lot aux alamo, si j'ai quelques points à mettre un peu là-dessus pour éclairer un peu sur la situation et l'avenir de notre beau pays, le Congo, parce que je vous ai dit avant-hier, tout va mal. Makambeza a évolué avec beaucoup de difficultés. Nous souhaitons que les choses changent, mais en réalité, Makambeza a et les gens se posent multiples questions de savoir l'avenir du Congo et Kozala Nengeni Ninamikolo Oyo et Zali Koya avec Chilombo Oyo Bachaye président Boyebinenge Akomela. Alors, Togome Garo développer quelques points à la peuple congolais, Togolo Dela, n'est-ce pas, en tout cas, Félix Tshisekedi peut quitter le pouvoir avant 2023. Donc Félix Tshisekedi, d'accord, nous sommes président de la République avant 2023. Il y a des signes positifs. Tout le monde a raison, la Kisabisho qui est même avant 2023. Félix Tshisekedi, nous sommes président de la République. Et puis, Togolobela, n'est-ce pas, Kabila a fait un grand travail en exposant l'UDPS. Aujourd'hui, 37 ans ou 38 ans de lutte. En tout cas, tout le monde est scroquerie. Il y a parti où on a eu de passe, donc on va essayer d'en parler un peu. Comment est-ce que le parti là a escroqué les Congolais depuis 38 ans, le haut et la vérité, non surtout, et comme Kobima Bande Konangai. Alors, Togolo la paix, n'est-ce pas, Wapi Lamouka. Vous savez, Lamouka c'est un, disons la vérité, on va dire qu'ils ont une plateforme politique, ils ont mité cela parce qu'ils ont une plateforme électorale, le haut comme plateforme politique. Mais je ne sais pas s'il y a un peu des activités de la Mouka. On ne voit pas les leaders de la Mouka ensemble. Tu éviter ce Mazali, si ce sont des stratégies, s'ils si agissent en coulisses, tu éviter. En tout cas, ça fait un peu craindre, n'est-ce pas, l'avenir de ces plateformes politiques, la Mouka, na avenir Yamboka et surtout, na béchéance, au Kabila, déjà, na Félix Tshilombo, comme il Zouaba. Je dirais même des précautions, des initiatives de modification des lois électorales. En tout cas, tu éviter qu'est-ce qui va arriver. On va en parler de la Mouka. Et tu as vu ça na dossier où il y a coronavirus, où il y a OMS, à Outi Chouchou. Dans le moment au Congo, on a découvert le deuxième cas. Il y avait un Camerounais, il y a aussi la femme de Camerounais, il y a son enfant, il a contaminé le coronavirus. Et puis, on va en parler parce que OMS plutôt, Organisation Mondiale de la Santé, a dit qu'il y a un Congo. On va en parler. Peuple congolais, pour occuper le Congo, Brazzaville. Togolo Beléango. Merci beaucoup. Toba Ndemisho. S'assure ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais. Son boyogina, Nazoui sur Rwandais, Lobi Lobi, n'a pas de boulot à vous voir, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
allez me dire ça. Alors il y a Bokende. Alors il y a Bokende. Alors il y a Bokende. Et des Rwandais. Je voudrais voir ce gouverneur venir m'empêcher de faire mon meeting là-bas. Peut-être qu'il n'y aura pas de visitants. Hein. Vous allez voir. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des débordements? S'il a interdit, ça risque de chauffer, non? Qui a interdit ça? Le gouverneur. Et qu'est-ce qu'il représente, ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef est un Rwandais, est un Rwandais, est un Rwandais. Tout le peuple partout où j'ai passé me demande de renvoyer ces Rwandais à Kigali, à Kigali, à Kigali. Là, ce n'est pas ici son chef de ce fameux gouverneur-là. I know that for many it's hard to accept, but I'd like to sincerely pay tribute to Joseph Kabila, President of the Republic. Today, we should no longer consider him as an adversary, but more as a partner in the democratic chain. Voilà, bonjour, mes chers frères. Nenge Torobaki, tozana kati mission abisho, binotu oyo. Vous allez vous abonner à la chaîne Nabisho Asika, continuez à s'abonner massivement et ça va nous faire du bien aussi de partager nos vidéos sur WhatsApp et Facebook aussi, mes frères et sœurs. Alors, il y a un dossier ici, Toroban Nanango, Ezali, n'est-ce pas, Félix Tshisekedi, après la réunion au Bautek Okotana Kabila. Il y a des révélations au Bimeli du Sol à Watozan Yango, Tomekakutan Yango pour la Touyeba. Les Aki tweet Bato Bazaraki sur place, sur le terrain à Kinshasa, nous envoyaient des tweets. Qu'est-ce qui s'est passé à la rencontre quand Félix Tshisekedi demandait plusieurs fois pardon à Kabila, n'est-ce pas, pour la Makambo Oyo, Ezali, Kabila Yaki Koutouna Yango, la question-réponse. Donc, c'est-à-dire, Félix, à quelque sorte, était assis. Et il attendait que Kanambe lui pose multiples questions. Et il y a Zahine Telorobate. Mawatron, je vous assure, peuple congolais. Et il a dit même à Kabila si la trahison est Kokikoya et Gozalandela Nanga été. Donc il dit même que lui ne peut pas trahir Joseph Kabila. Et ça passe mingi. Mais écoutons un peu, tout en Moutouana après l'encontre là-bas. Alors oui, Félix Tshisekedi a dit aux membres du gouvernement parce que. Après rencontre la Bango, Félix Tshisekedi a gagné à Kokuta Nassus à salut conseil des ministres parce que lui il est champion au conseil des ministres. Et puis si vous avez la chance de compter depuis que Tshilombo est devenu président, ça fait combien de conseils des ministres qu'il y a organisé? Nombre de voyages, nombre de conseils des ministres. Il y a 50 ou 60 conseils des ministres où il y a présidé. Mais c'est du n'importe quoi! Donc, connaître l'administration, c'est très important. Faire les études administratives, c'est très important. Faire les études universitaires, c'est très important. Dans le sens où tu es censé de connaître comment est-ce que l'administration fonctionne. Administration et fonctionnalité, il faut multiplier lundi, le conseil des ministres. Après 2 semaines, conseil des ministres. Après 3 semaines, conseil des ministres. Non! Et tu dois avoir la connaissance de savoir dispatcher le fonction et puis des responsabilités. Comment tu dois mesurer les responsabilités de chaque ministère? Parce que à chaque fois qu'il y a un conseil des ministres, c'est que vous devez savoir pour que le conseil des ministres soit là. Donc comme ça, tu as besoin de partir. Le rôle de c'est misérable. Conseil. Oh, mais nous surtout, on a exactement pas jonction parce que après conseil des ministres, qu'est-ce qui change? Mais ce qui est important à noter ici, Ezali, après rencontre, Félix Tshisekedi a dit aux membres du gouvernement qu'il a protesté auprès de Kabila sur le fait que certains ministres recevaient des ordres contraintes venant de lui. Ce que Kabila a rejeté, d'après Fati, Kabila lui a demandé de sanctionner s'il détient de preuves. Félix a répété presque la même chose au Rwanda à Londres. Alors, vous savez qu'étant à Londres devant groupe Naye à Bateau Bakenya au Côte d'Ivoire parce que l'ensemble le Congolais basé à Londres est à Londres. Tshilombo a préféré de dire aux Congolais au basé à Kinshasa que oh bah ministre Kabila ça c'est pas même digne d'un président.
de parler les choses aux gens que les Canadiens à gouvernement au on a conseil des ministres yo président de la République aux joueurs au Lobango tant au côté une abattoir diaspora ce n'est pas vraiment honorable et respectueux de la part du gouvernement il y a un moment il va être kabiliste va tomber la clé pour Moutounaye et Zanassé. Il y a un moment où il y a Félix, il y a toujours un Congo, lequel est Mounene, Maïa et Naïza Moukie, donc il y a un moment où il y a un Congo, Tétalatine, il y a un moment où il y a Londres. Parce qu'un président, le Baramakamba gouvernement, il y a un libanaté, surtout dans le lieu public, il ne peut pas dire ça. Mais il y a quelqu'un qui peut dire ça. Maintenant, il y a un moment où il y a un moment, il paraît, il y a un moment où il tue le Mboké, non? Bisso, on dit, toujours ça, on a bien été pour. Kabila, ça, pour contrer Bisso, que tu es coincé, pour y réussir. Est-ce que maintenant, ça, il m'a bien tant, mais si Félix, que non, Kabila, n'est pas coincé Bisso, pour y travailler bien, tu es au mal à l'aise. Bah, émission vérité. Bah, formuler Félix, vérité, que non, s'il y a un problème, et si tu n'arrives pas à réussir dans ton gouvernement, ce n'est pas nous. Bisso, tout ça, vous avez une injonction, ou ils ont voulu partir à Kingakati, ou ils ont voulu une pression pour la Bisso, tout ça, vous avez mis là, il y a un moment là, il y a un blocage, sur Kende. Félix, au lieu de protéger plutôt ces gens, au bas, il a livré la vérité, au bas, il a mis ses bouchons, tout le monde, il a mis ça, lui, Félix, préfère de les exposer en public. Félix a été exposé en public. Exposé à Londres. Et on l'a défini même par là. Oh. Mais il y a répété dans la réunion de la banque qui sont sur la télé. Oh non, il y a yo, banque qui est sur la banque qui est sur la banque. C'est que Kabila a refusé. Kabila a dit qu'il y a des preuves. Ceux qui ont des preuves, a sanctionné par le monique qui est sur. Un bon chef, il n'a jamais accepté de le faire en public. Et Félix, au lieu de comprendre que a autre comme ça la bêtise, na wo kendo koloba ke no bino bobi ke Kabila zo chabino azotinde bino bo sala bo olia kangata munoko na ye, il parle aussi au conseil des ministres azo ils sont aussi au ministre wana oh non nga nakuta na ina Kabila nga na biseki Kabila ke bino bobi ono bo sala bien te parce que yene ta ocha bino bakal ah oh pendo zo wa immaturité politique oh abenga ka immaturité politique. Si vous avez ils sont exposés. Et vous y croyez que ceux qui ont des choses sont moi idée, ou bien ceux qui ont des choses qui sont préparées contre Félix, vous avez des choses qui sont sous Félix. Vous avez des choses sous Félix. Parce que vous dit que Félix, au lieu de protéger Bango, Félix a été exposé. D'ailleurs, je viens de vous dire que Félix a signé Kabila pardon à l'objet que ceux qui trahissent et que vous avez. Nakata coalition na biso et que pas na ngaité à moins que bino bobanda. Donc il a tellement peur de Kabila que vous n'avez pas l'idée. Et ce ministre là du FCC, c'est fini. Il ne viendra en aucun jour dire à Félix ce qui se passe à Kingakati. Attends, quelle réunion là-bas? Pas le banon consulté. Parce que Kabila a attends, aucun jour, non, Kabila a ah, n'a pas na biso tout sur la Nakata, bino boke, ils sont Félix Ndé. Bino bokasi que Félix a bon babino. À chaque fois que vous avez un ramené à l'Ikamunangaï et pas à Félix, vous avez un souk à Félix à voir, vous avez un souk à un danger. Et voilà le pourquoi vous avez un Congo de mort suspecte et commis. De mort suspecte et commis parce que vous avez un souk à il faut aider Félix à prendre le pouvoir et à avoir le contrôle du pouvoir. Mais vous avez un souk à Mémé, vous avez un souk à Mémé préparé contre vous. Félix a vu même Malobana à quel moment a Kingakati a visité à quel fond d'abord pas Kabila. Oh, tu as mutuana et vous savez que vous n'êtes pas bon manga. Alors moi, alors bien le temps au Kabila, car bon, mutuana. C'est comme ça que ça se passe maintenant au Congo. Félix a zéna bouche bête, aligné au Congo mon côté. Il fait qu'exposer des choses. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir dans ce pays. On a ma Kambonaie, oh yo, azolo baloba, loba, biloba, loba. Alors Kabila s'est sanctionné. Alors, peuple congolais, deuxième point, le risque semble évident que Chilombo peut quitter le pouvoir avant 2023. Dans le sens où, lisons un peu ce journal, Oyo, peuple congolais, et Bimelibisho Awa, Ezali na politico.cd. Le journal est apparu, je crois, c'était, n'est-ce pas,
C'était à Paris le 15 mars. Le 15 mars, journal Rwandais Bimaki. Alors, Babi, quand Joseph Kabila réussit à désamorcer Félix Tshisekedi, quand Joseph Kabila réussit à désamorcer, c'est-à-dire, il y a qu'au kata Félix. Donc, Kabila a reçu, il y a qu'au kata Félix. Mais là, il y a un sentiment Tant que tu as dit que papa Tshisekedi, il n'y avait pas de problème de tribalisme, on ne parlait pas de ça. Mais les lois, tu as découvert que le pouvoir que Félix a accepté de Kabila, ils allaient poison retardé. Tôt ou tard, et qu'on est maillé, on a les boulots. Tôt le bas. Oh, bonjour, le bas trop, bonjour, Tchamakel est trop, Félix, il va mourir. Béton. Lelo oyo motala makambo komo bino Kabila réussit à désamorcer donc il y a kati Félix Mikemike. Pourquoi kati Mike? Mais regardez ce qui se passe dans le pouvoir de Félix. Natangi la bino moi journal en moment d'ambo awa avant tout mes canaux nous développer moi mukie awa peuple congolais. Alors menace de dissolution du parlement, persécution administrative des tenants de la Kabylie, interpellation dans l'armée, complicité affichée avec le diplomate américain, autant qu'en interne à l'externe, les émissaires de partenaires de la RDC se sont succédés à la ferme Kingakati. Le ciel est tout noir, annonçant une foudre qui allait s'abattre incessamment sur le clan Kabila. La même foule que Raïs a évité depuis le dialogue de la Cité de l'Union africaine en 2016. Jusqu'à accepter sans résistance la défaite de son dauphin Emmanuel Ramazani Shadary à la présidentielle de décembre 2018. Vous voyez, il y a eu un moment donné, l'élection. Alors, ce que tu as dit, c'est qu'il y a un point de vue de Makassi Awa. Donc, Ezali. Je peux lire ici, relation à Bango. Mais ce n'était qu'un rendez-vous manqué. Cette rencontre aura lieu un peu plus tard, le 12 mars 2020, dans la résidence de Félix Tshisekedi d'Antilé, avec un invité surprise, Vital Kamerhe, Boebia Zalaki Wana, un porte-parole. Vital Kamerhe, directeur du cabinet du chef de l'État, devient porte-parole du FCC Cash. Alors, allez-y comprendre. Alors, celui-là, même qui a été à la manœuvre du rapprochement Kabila Tshisekedi jusqu'à la création de la coalition FCC Cash. À cet instant, les partisans de la rupture ou de la double rupture pouvaient déjà se gratter la tête tant que l'issue d'une telle rencontre ne pouvait être envisagée que comme un coup d'arrêt aux alliés rupturistiques. C'est-à-dire, les gens qui rêvaient que non, après tant des années, avec Moukouna, il y a des personnes qui multiplient ma vidéo. Félix doit se séparer de Kabila. Félix doit se séparer de Kabila. Kabila, c'est un démon. Kabila, c'est un diable en personne. Il ne faut pas qu'il y ait. Mais après, réunion, tout est fini. Parce que tu vas comprendre que non, Chilombo est englouti dans Kabila. Félix n'existe pas. Félix, à sa rapport mesure mon côté, il n'est rien ce monsieur là. Oh, bah, j'ai un simple étiquette. Oh, matin, Fayoulou Alobaki, Azali Loko la patin, Azali Wana pour chauffer la chaise au Kabila qui est juste inutile. Et d'ailleurs, Félix, dans ma vidéo, n'a eu à Kala. Lui-même m'avait dit que Kabila Rosa la à Poutine, à Kotcha Moutoumoko Azanga la Yetina pour y à contrôler la présidente. Mais c'est ce qui s'est fait au Congo aujourd'hui. Félix a commis patin à Kabila et celui qui chauffe la chaise de Kabila à la présidence. Bonjour, mon président, mais il est opposé. Je crois que après rencontrer un télé Oyo, Naba américain va ôter beaucoup de naïra à 3 heures du temps. Pompeo a sauvé la naki naïe pendant 3 heures du temps. Naba moni déjà Oyo les canaba. Surtout annonce Naba moni va ôter comme ça la TV après le nom Naba moni un télé. Les Américains là où ils sont, c'est-à-dire bah Cindy Moutou pendant bah oui, oh Donald Trump change tout à son yamba et tiens, je vous dis la vérité, pour les Américains d'autant bah d'autant la bêtise ou Chilombo ou Kanam dans ça comme ça là comme quoi oui, on a oublié ah chance que le président a pu s'occuper d'un aide, parce que
les armes sans lui. Vous y croyez, ce monsieur pareil, que les Américains peuvent les confier un secret? Si vous avez la poche, ça va la Kabila ou bien ça va la Kabila. Jamais, vous avez Félix pour vous exposer. Ce n'est pas un monsieur à faire confiance, tu le vois. Ce n'est pas un monsieur à faire confiance. C'est fini, l'espoir n'est plus là. Les gens qui rêvaient que non, à travers Chilombo, on peut faire partir Kabila, c'est fini. Il faut enlever ces... Je vous ai dit de le début. Ah, attends, Chilombo, comme président, vous rêvez pour rien. Chilombo est englouti dans la Kabylie. C'est fini, ce monsieur-là n'existe pas. Il a même perdu son honneur, l'honneur d'un homme. Si c'était dans le pays que nous vivons, même sa femme a croyé que c'est une rupture, divorce. Je vous assure, parce que... Soyez votali, moi si à Nicolas Sarkozy, à Senga divorce, Nakatia et à Élysée. Sa femme, ça ne dit rien que Nicolas Sarkozy a président de la France. Elle a demandé le divorce parce que des femmes blanches. Ah, bah, je n'ai pas de soucis, vous sonnez au Félix, ça la tête. Il y a Denise, il ne peut pas être rwandaise. Il peut être comme une première dame, le coup, moi, donc, il peut être un bêtise, ça la tête. Mais pas c'est demander la bêtise au Chilombo, c'est un divorce rapide. Elle va demander le divorce. Parce que Chilombo, c'est un peu ça. Papa n'a pas sonné. Son papa n'a pas eu la moussa. Comment dirais-je, à la moukana tombe, à la bêtise au moins, n'a pas eu ça. Et tiens, tu sais, n'a pas habité. Son papa n'a pas eu la peau. En même temps, Félix Tshisekedi fait la honte à l'IDPS. Un grand parti comme l'IDPS. École de l'IDPS, on te soit, grand politicien, bah, la carte à partir, on a. Voir les bêtises que Chilombo a fait ça, là, ça veut dire que ce monsieur-là n'a même pas fait l'école de l'IDPS. Il est le fils de Félix Étienne Tshisekedi. Mais ce monsieur n'était pas dans l'école de l'IDPS. Il a une école à l'IDPS. Félix, réellement, n'a pas appris la politique auprès de son père. Il regardait la politique de loin, la politique qui papa tu sais que dans le bimé pendant qu'on le bat. Mais réellement, dans ce monde, dans ce temps là, c'est fini. C'est fini. Le espoir au Batbatia qui n'a eu de peste à travers Chilombeke. Il y a un gros journal. Mais maintenant, le problème des Alinini, tant que Batbatia est rêvé, le rêve est continué à Maï, au lieu de Soukawana, l'île de Kendele. Au risque, je dis bien au risque, qu'avant 2003, que Chilombo ne soit plus président. Parce que Kabila regarde le climat. Kabila sait que Fayulu a contesté. Et puis, ceux qui ont dit, ah ouais, Botali, Makabezo, les Kanaka Tamboka, ils ont coincé de machines où peut sortir l'argent du gouvernement. Oyoyo, peut-être, n'est-ce pas, fonctionnement du gouvernement, comme ça, ils sont émanatés. D'ailleurs, il y a autant que la binôme, que tu connais les cas. Signature et fonctionnement gouvernement, le Félix a signé à monter. Donc, nous sommes tous en blocage, en calme, et crise, et ça, c'est ce que je veux dire. Il suffit qu'il y ait moins de quelque chose, le pays-là, au Romona, avant 2023, il y a deux scénarios qui vont se passer. Premier scénario, on risque de connaître un coup d'État au Congo, et que Félix Tshisekedi soit renversé par un coup d'État. Bon. A quoi il y a un coup d'État parce que Kanambe a zawana a zako protégé pouvoir aller pour Kabila. Il a dit que si le lobe a bengani Félix dans le coup d'État, il peut azana ba risque au Kima Congo. Il peut sauver Félix dans le coup d'État parce que jusqu'à présent c'est lui qui contrôle l'armée et le service de renseignement. Mais en deuxième lieu, Kabila peut provoquer un dialogue. Et ce dialogue-là pour inclure Martin Fayulu ou Banini. Pour Kabila, il a dit à l'île de Fayulu, Banini, tout ça. Faire les élections 2023 et vous allez sous bientôt. Alors avant l'élection de 2023, il faut provoquer un dialogue. Et c'est comme ça qu'il y a le risque de gauche à droite, que je dis bien, au risque que Félix ne finisse pas son mandat en 2023. D'ailleurs, disons la vérité, Chilombo, à Tabati qui est en 2023, ou soit on doit mettre quelqu'un pour nous soutenir, et pour Yena Kamere. Oh, bah, ça, la présidence, soit là, bah, ben, en gros, Bouzoberi, Vital Kamere, na Félix, oh, bah, ça, la présidence, soit là, Kamere, j'ai vu, je sais pas si c'est son compte officiel, na Facebook, alors, lui, que, oh, non, bah, tombe, ce qui va, quelques maisons, bah, côté à fleuve, bah, bien, oh, non, calamité, bah, on respectait, bichon, bon, je sais pas si c'est son compte officiel du Facebook, mais c'est du n'importe quoi, ces gens-là, ce sont des voleurs,
en Libye, parce que ça a un amour quand on a Congo, et comme c'est le Congo, les peuples congolais, maturité politique et sa macacité, bah ça qu'on s'est réveillé dans mon caca, et on s'est la paix de l'autre côté, tout c'est la carte que les alibas au Kende. Kamere, c'est un grand voleur. D'ailleurs, moi, tous ces diplômes-là, je commence à en avoir doute. Parce que un docteur qui a fait les études, il y a un moment, il a graissé la pingue, il a même diplôme, ou une thèse, ou un doctorat, parce que Kamere, il y a un doctorat, il y a un doctorat. Parce que le Congolais confond un peu, s'il voit quelqu'un parler bon français, Félix parle français. Mais d'ailleurs, français n'est pas mélangé, n'a pas grec, n'a pas. Comment on utilise le terme là? Aza la français de la rue. Félix, il parle deux fois de français de la rue, mais comme il n'a pas fonction, ce qu'il fait un peu de fort, Félix, c'est de lire beaucoup le dictionnaire pour avoir de gros mots ajoutés dans son français quand il parle. Mais français, il y a un yanki à poto. Donc, sur l'andi, il y a des termes, ce sont des termes de la rue. Alors, maintenant, Kamere, il y a tanga penda, logiquement, mais Kamere ne prouve pas au Congolais. Et lui qui disait au Congolais qu'il y a comme ça au Congo au Brésil. Soka comme président. Mais il n'y a pas Félix pour la présidence. Comment Congo se développe? Donc il y a Congo, il y a Kamere, il y a un. Alors, donc il y a un risque trop et il y a encore le risque et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avant 2023. Nambo cannabis au Congo. Pour ce que je peux ajouter à travers le dossier Oyo, peuple congolais, et ali que. Après rencontre na bango oyoyo ba utaye ko sala na télé ba twalbi na journal toujours abimi un silence sur la dissolution du parlement après la rencontre Tshisekedi Kabila. Après rencontre on ngo sa ba no tu ko expliquer bino ba to tu bande ko lever que Félix akokata akokanga parlement akosala bo abo les gens qui rêvaient oh kabundu maître nanger akola kisabata fesse se ngene ba nanjala na fleuve abo bien. Espoir tout s'est envolé, donc il faut éviter à venir à Congo et Zawa. Donc c'est-à-dire, après cette rencontre peuple congolais, ce qu'il faut noter, c'est que Kabila et sa famille et sa bande de criminels du FCC, parce que Congo en otage, ils ont réellement pris le Congo en otage. Et si les Congolais ne vont pas se réveiller tôt, pour n'abandonner à ce qui va arriver dans les jours à venir, c'est fini pour l'avenir de ce pays. Kabila vient de. Kabila. N'abandonner à FCC, Bazumbo Kawana en otage. Ce qui est congolais, toujours rêvé. Toujours mon angolo, la plaque. C'est fini. Chilombo, ce n'est rien. Nous avons répété en gros. Et puis, congolais, c'est un yeba. Chilombo, c'est une étiquette. Il ne fera rien pour la nation Congo. Il attend son 5 ans, sauf qu'il a eu la chance de s'y faire un mot, et pas qu'il nous vende dans la porte de la haute, ça yibi. Donc lui, pour lui, il y a qui, le coup d'attendre a été. Il y a qui a venu, il y a un n'est-ce qu'il a eu une chance de vivre comme président de la République. Mais quand vous êtes très nassima, ce n'est pas son problème. Maintenant, vous qui rêvez que Félix peut faire quelque chose, attendons voir jusqu'en 2023, qu'est-ce que Félix fera, n'est-ce pas, dans ce pays. Mais croyez-moi très bien, Oyokoya Liboso, et Zahara risque que Mbokoana écoute encore dans la faillite. Mais la crise est là. La crise est là. Mais qui détient l'économie du pays? C'est la Kabylie. Qui détient la société du Congo? C'est la Kabylie. Silence absolu. Oh, Parlement, Félix, il y a beaucoup de Parlement. D'abord, il y a eu un peu de Kabila. Pardon. Il dit que non, il y a eu un peu de. Moussantou, nous amènons à trahir. Chilomba dit à Kabila, je ne trahirai pas. La trahison ne viendra pas de moi. Ah! Moussantou, Kabila, je ne sais pas si Félix Bandaka a fait sa poste, mais il est le président. Si le commissaire a Félix, premier ministre, Kabila a doublé le mandat, mais la salle est mandat Moussoussou. Pour Félix, on va protéger Kabila qui est mandat Moussoussou, qui est premier ministre. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit vraiment. Mawato peuple congolais. Alors, tout à l'heure, il y a un dossier où on a été. Dossier où on sous ma case, c'est Ali, Wapi Lamuka. Mais Lamuka, c'est Ali, plateforme politique. Oyo, l'élo, tu es bien, Bambou Sanamou Sukutu, a mégé qu'on approche Félix Kabila. Qui me semble Sanamou Sukongo? Mouchanamou Sakenda, qui t'a dit qu'il t'a saoulé à l'ongue Lamuka.
Kabila Kimisa, moni Kabila Rondima, Lokola Mutlokola, Fedi Matungu, parce qu'il sait que Fedi Matungu c'est un civil, il ne connaît pas l'armée, il connaît rien, tout ça. Mais Moussa Moussi, Aïbi Moussa Moussi, Aïbi Mindouki, Aïbi Baseka Rebellion. Kabila Rondima, Moussa Moussa Zana Congo, Kimisa Moussa Moussi Congo, Tile Lombusa Moussa Zonga, ceux qui Uganda, ceux qui Mboganina Kenda, avant d'Aguna Mouazonga, ça t'a pas tapé ma hippo, à l'Ombapé la Mouka. Sko la Mouka Tikala na Bemba, Fayulu, Moïse Katumbi, Adolphe Mouzito, ils sont que quatre là. Il y a les autres, Obayaki, Wana, tout ça. Mais Obazal, Okola, Balider, Amakasi, ce sont que quatre là. La réalité, c'est que c'est en face aujourd'hui. Que Kabila a reçu le pouvoir, n'a mal aimé. Kabila a une mission, il y a retour avant 2023. Kabila a dit que 2023, ce qui a se présenté, soit selon la soupçon de Zakoya, et puis selon l'activité au moins si n'est Olive Lembe, Azako Sala, que cette femme a la présidente ya Congo en 2023. De signes Zako voilà. Maintenant, on se pose des questions. Même ceux qui ont Moïse, Olive, Vité, Banine et tout ça. La question qu'on se pose, Zali, qu'est fait le leader de la Moka Bazawa, Pite, Bazoko Sala, Nini. Moïse Katumbi, il s'occupe plus du football que de la politique. Il ne se voit plus. Batounaye, Baza, tout autour, Naye, Francis Kalombo, Yazomine, qui s'assa comme une bafouka, Banine et tout ça, ben d'attendre quelque chose. Mais qu'est fait Moïse Katumbi et son nouveau parti au Aoutiko Bimisa? Donc ma parti politique, vous voyez, on va attendre au combat proche de l'élection 2023. Donc pour le moment, Moïse Katumbi et son groupe d'ensemble, parti Naoutiko créé, on a projeté, on a pas ma campagne, il y en a 4 ans, il ils viennent de voir par eux-mêmes. Parce que ceux qui sont dans le pays, l'opposition joue réellement son rôle. On voulait voir la contestation après Makambo et Kabila, na Félix, na Otiko Koma, na Papé, na Bango, na Otiko Tanga, na Ntele. Parce que la réunion là, c'est une réunion privée qui regarde Kabila, na Félix et Tali Kongote. Comment l'opposition, Bazawana, Katumbi, silence, Jean-Pierre Bemba, silence, Adolphe Mouzitu, silence, Martin Fayulu, silence. Et puis de plus, le plus grand danger. Nakati Mukanda la Bamouba lobby, Bazako préparé va modifier loi électorale, n'a pas modifié CENI. Wapi Jean-Pierre Bemba, wapi Martin Fayulu, wapi Adolphe Mouzitu, wapi Moïse Katumbi. Mais est-ce que y a-t-il des leaders politiques dans ce pays où yo Bazako comprend de l'enjeu électoral où ils allaient koya na venir. Tout Bazako mon roi que ils allaient mon black. Il y a un moment où on a réfléchi à la musique, dans le bac, non. Cette classe politique-là, ils ont le rôle d'accompagnateur. Parce qu'ils savent de loin ou de près qu'il y a des risques, des risques, ils allaient m'accasser, dans le dernier moment, ils ont besoin de boire. Soit on peut connaître l'élection de 2021, ou soit il n'y aura pas d'élection. Soit l'élection-là sera organisée, mais l'élection-là, il y a quand même une catastrophe, il y a 2006, il y a 2011, il y a 2018. Voyez bien. Tant qu'il n'y a pas de modification, il y a des institutions, et que la Kabylie continue de maîtriser la majorité des institutions du pays, ne rêvez pas que nous, Kabila, on dit que la Moutoumoua et la Mouka pouvoir en 2023, vous rêvez. Vous rêvez. Et puis, le mal en est, dans notre classe politique, tout le monde a qu'on a 2006, Jean-Pierre Bemba perd les élections, ou abandonnement contestation, il lâche la prise, pourtant, il y a un après Nasuka et Mimarabango Baké va prison. La deuxième de Papa Tshisekedi a gagné pouvoir en 2011, a banni contestation. Oli a continué, il lâche la prise. Quand il a lâché la prise, Souka l'on a mis en Belgique, ti Papa Tshisekedi a eu Koukoufa. 2018, la même chose. Nous avons Martin Fayulu qui a gagné les élections au effort. Il a commencé les contestations dans le pays. Maintenant, on voit un peu le lire un peu freiné. Il fait des tours en Europe, fait des tours. Je vous assure, après le temps, tant que vous êtes motouana et que nous rendons, et on ne sait pas l'avenir de Fayulu, vous en n'est pas. Il ne faut pas oublier 2023, on ne sait pas de cartes qui vont se jouer dans ce pays pour ce qui est l'élection de Salama. Mais sur quoi, avant que tout le monde ne soit pas en train de l'élection, on a autorité sur vous en n'est. Mais bonjour, mon ami, je suis un que les risques sont graves et que le pays se dirige dans la ruine.
Mais ce que Bino étant que leader politique, pourquoi vous ne dites rien à la population congolaise? Vous voulez que Kabila comme un roi, soit vous faites partie de la Kabylie en cachant vos orambongo batwayebite, ou soit vraiment vos amis opposants au balingi changement en boka. Parce que le rôle de l'opposition c'est quoi? C'est de dénoncer ce qui se passe mal dans le gouvernement. Mais comment est les opposants congolais, ils ne dénoncent rien. Ils sont silencieux. Soit vous êtes aussi complices du malheur du peuple congolais. Wapi la mouka. La mouka, les Congolais ont porté l'espoir sur ces Nakata plateforme. Mais aujourd'hui, la mouka déçoit les Congolais. Les Congolais sont dessus le comportement, il y a leader, il y a la mouka. On ne voit rien. On ne voit rien et on ne sent rien. On ne sait pas ce mouvement-là. Et comme il y a 2023, avant 2023, il y a multiples réunions. Comme ça, on a dit balabala. Et quand Kanam avec Félix sont complices, bah on tire pour avoir une preuve. Na il est presque une bêtise massacre. Bah tu me suis sur la zone qui va on a 2022, tant pour l'élection, bino pour salir la réunion. Bon, il m'a manqué des protestations parce que Kabila et Félix va lui battre sa battue une élection. Bah au moment battu battu, après pour salir partage de pouvoir ou bien l'élection moi y a mascara du peuple salami. Kabila ou soit bah yo quand il a Félix n'est pas au salam à Bango. Après tu vas ni ça jusqu'à Kabou. Les familles vont perdre encore leurs enfants. Tu éviter, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de faire des choses maintenant pour que la communauté internationale sente qu'il y a un danger dans le pays, bah luka ba ye bandenge ni bakosa na pona bacha Kabila mupandi la muka jo mona na te. Vous croyez que l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine ou ba CIGEL ba Grand Lac ba koyana Congo ka dans les vidéos. Mais ils doivent sentir la crise. S'il n'y a pas la crise, ils vont nous dire comment. Ils vous laissent comme ça. Mais donc ça dit, pour l'amour qu'a Félix est président, on doit se contenter de cela. Comme si vous vous contentez de la médiocrité, mais s'il y a une pression qui s'exerce, je crois que il y a pour intervenir. Il y a pour une solution. Il y a pour freiner le Congo. Et on sait bien que c'est Kabila qui freine ces choses. Mais où est l'amour? Où sont les leaders de la mouka? Les apaches mingi, peuple congolais, batoyo, to éviter politique en haut, parce que c'est la bichoso qui est vrai ou bien ça le kouta. Point monsieur Zali, à Wazali, point, il y a UDPS. L'UDPS, un grand parti politique, aujourd'hui, je vous assure, ce qui se passe dans ce parti, du jamais vu. Je crois que Binotou, vous aurez l'actualité. Et vous êtes au courant comme moi que l'IDPS, on ne sait pas ce qui Kabila Pesa qui Félix président cité. Je crois que parti on a blessé Koufi Namo. Voilà, donc dossier Zembele, ah ouais, mais je vais prendre quelques-uns pour Nanameka pour relater à Moka Kanakangango. Parce que ça, Paul Moussou. Paul Chilumbu, le peuple congolais perd tous les jours l'espoir placé en l'IDPS. Paul Chilumbu. Ou Azali porte-parole, il y a parti Wana, Abi que peuple congolais tous les jours, Azo perdait un espoir parce qu'il croyait beaucoup en l'UDPS, mais aujourd'hui les Congolais sont dessus. Vous y croyez? Vous savez combien de milliers de Congolais ont Bakoufa pour la lutte à Papa Tshisekedi? À Kinshasa, même à l'intérieur du pays, dans les provinces, vous savez combien de gens qui sont morts? À la diaspora, vous savez combien de personnes ont un casier judiciaire dans Bango et Beba pour la cause que il est personne au pouvoir pour la Congo changer. Ma watro peuple congolais, les lots ont toujours vivre, ils allaient scroquerie, on a tout battu, on a gâté, on a toujours vivre, les lots n'a qu'à tia Congo. Alors, monsieur, les alliés, Kabunda, Jean-Marc Kabunda, Kuna, Babine Fra Longwa, pour Akumi Moussa Makambu, tellement il est personne élève à G1. Premier graduat, donc l'habité soit comme le deuxième graduat sur Koyo, à ce moment-là, il a n'importe quoi. Félix lui-même, il a violé le texte de l'IDPS. Kabundo a violé le texte de l'IDPS. Le parti Wana est comme un papier hygiénique. Il y a 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 un papier hygiénique.
Kabundu kuna a voté ba loi na ye, a sali élection na ndenge na ye, po ya koma président ya IDPS, d'abord a bandi ko changer nini élection pour a yebi ke soki ba Shabani bazali wana ba kuchile ba kal. Yangona Kabundu aponi batu na ye po élection salama, po ye atika la présidence, président plutôt ya IDPS, et ke Kabu ya atika la secrétaire générale. Wana zali bino batunde bazo ye bate. Wana tu eza kopi ya Félix. Félix nda osala nengo wana po Félix a yebi ke soki aza présidente, peut-être ako linga zongi la IDPS. Yango lingi ke Kabundu faza na kaka wana na Kabuya po baza batu na ye. Le trio wana bangonde baza ko bomba parti wana pe ba ko bomba yango. Ce qui fait mal aujourd'hui, c'est que bataille de peste ils accusent toujours Kabundu et Kabuya. Mais l'auteur de toutes ces choses là, c'est Félix. C'est Félix qui organise le désordre dans le parti. D'abord, il y a dans Walongwa qui fallait Longwa Mbalamoko. Il n'avait pas le temps. Il y a un j'ai choisi l'intérim tout. Il fallait qu'il quitte d'abord les fonctions. Et que Atika choix na parti basa la congrès basa l'élection et baluka na na ko diriger parti à sala ya moté Atika la Kabundu ko l'intérimaire soit Bukabundu l'intérimaire là bato opération basa ko tia ba liba ko isabisho pour Kabundu ayebi que ce qui a longwe na IDPS makambe bato na ba ko ya na sima na bango ba ko sala ba ko sala contrôle na moté même Makabuya même moi Félix oh tout ce trio là basa ko rouler pour Kabila pour détruire ce parti. Je dis bien à mes frères de l'UDPS, comprenez très bien ce que je vous dis. Félix, Jean-Marc Kabundu et Augustin Kabuya roulent pour Kabila et à la destruction de ce parti UDPS. D'ailleurs, aujourd'hui, l'UDPS n'existe plus. Croyez très bien et regardez très bien tous ces mondes qui ont souffert pour l'UDPS. Combien sont dans des postes tant que Félix a commis président? Il y en a combien? Il y en a combien? Vous plairez tous les jours. D'ailleurs, dans vos vidéos, nous voyons ici, c'est Kabuya, c'est Kabundu qui vous disent « Bon, ça la boue. Bon, yo, comment ?» Donc, pour vous dire, ces gens-là roulent pour Kabila. Vous n'avez même plus de choses à leur dire. Donc, si vous allez comprendre ce que je vous dis maintenant, « Bon, moi, on a qui vous sauver partout. » Mais au cas contraire, l'avenir, il dépend sur comment parler. Alors, Kabundu na Kabuya, basali makambo na bango na réunion na bango ba décider ba biba okanga batu d'ailleurs ba kanga ki batu susu mais je crois pas j'ai peut-être maman Marthe passe l'intervention parce que cette maman aussi elle a beaucoup impliquée dans la politique de l'UDPS peut-être cette maman fait de démarches pour la même ba combattant susu ba kanga ki bango na ba kanga ki bango ba kendai même makala alors bazali ki relâché alors même Izwana eza ko kiété batu tout ba vanda ba doyen de l'UDPS. D'ailleurs, il y a un regretté que l'IDPS est comme le parti Moro au Boye, Batomaye de Bazalara Chouchouté. Et pourtant, ce sont, il y a des gens qui sont morts pour ces partis. Et il y a des gens où Bazali Lelo n'a pas si. Voilà le pourquoi Batouana va comme il raisonner que Batouana il faut Bakende. Alors, dans d'autres journaux, il y a que Félix Tshisekedi sacrifie Augustin Kabuya. Pourquoi Balobi en haut? Parce que dans le vrai sens des choses, ce que l'on dit, vous allez comprendre comme nous avons dit que Makambo, tout ça, c'est parti, c'est Félix. Kabundu a dit que c'est Félix a dit. Donc les désordres, c'est Félix qui est l'auteur. Et on a dit que ce trio-là roule pour Kabila, non pour vous, les gens de l'IDPS. 38 ans de lutte. Mais même pas 5 personnes, au Boyébina qui ça va souffrir pour la partie où on a, le nom de la fonction, dans le cadre du gouvernement Félix. Il vous a amené même cette femme-là, qui est ministre de l'économie. Vous croyez avec ces doyens de l'UDPS, moi si on a au Boyébina, tu es sur la route, et puis celui Félix, ça va être la relation, cette femme-là est comme ministre de l'économie. À l'équipe, bateau, ben, non pas mis à l'UDPS, n'habitons pas 38 ans, à l'équipe, en moi. Alors, dans journal Balobi, Félix a sacrifié. Jamal Kabundu sacrifié par Félix Tshisekedi. Alors, Félix Tshisekedi, lui, devient comme roi. Il a sacrifié ses compagnons. L'Union pour la démocratie et le progrès semble bien au bord de l'explosion. À l'origine, la contestation du leadership du parti par un groupe de cadres. Alors, qui a un homme qui a un homme a lire au parti, on a ce qui est bien matoïté, ce qui est détaché de la félicité. Parce que l'IDPS, c'est la félicité.
Félix, je crois que même hier, avant Botama, IDPS existe. Bon, disons que, à un coup, même IDPS est là. Mais à un moment que Bitumba Oba Sali n'a pas parti, il y a un peu de temps comme le roi, moi, un roi, que IDPS comme le roi, le royaume, il y a comme un roi, à Renin, un n'est encore. Bino Bobundi Bitumba, Bino IDPS, mon nom, comme il trouve. Les le haut parti, ils ont couffé. IDPS, ils ont son espoir. Makambo Félix a aussi la présidence qu'on a, la ligne de conduite est un ce qu'elle dit, ça n'a rien à voir. Mais maintenant, ceux qui battent, ils dépassent Bakade, ils dépassent Mozamaïli. Il faut se détacher de Félix. Il faut Bokabouanaï. Bokabouanana Félix. Bokabouanana Kaboum. Bokabouanana Kaboum. Bokabouanana Kaboum. Bokabouanana Kaboum. Bokabouanana Kaboum. Comme ça, vous pouvez sauver ce parti. Parce qu'aujourd'hui, les bêtises que tu nous as dit, il y a un Kaboum. Les gens sont gâtés. Bataille des pèses, bataille des pèses. Mais quelle mission bateau au bazar n'a pas parti. Mais en même temps, Kabila n'a pas vidéo montée au Kolekawa a exposé IDPS. Parce que Bissot a découvert un document, preuve à l'appui, que Mouto a bien un combo à Roger Lumbala. A Kendaka a rebellé à M23 au compte de l'IDPS. Ça, selon les enquêtes. Et des documents de l'ONU. Roger Lumbala a kenda rébellion de M23. Na compte ya IDPS. À cette époque, papa Tshisekedi était vivant. Il y a un moment que Roger Lumbala a été rébellé. Bon, je crois que Kabila Benda a été rébellé à Kouzou. Il a passé mon poste de loi comme on a bien. Pour moi, Roger Lumbala a été rébellé sous ta banane Kimia. Vous avez dit que papa Tshisekedi, des fois, il a battu le tapis rouge dans Kigali. Vous avez dit que Mutoyo, comment on l'appelle, Moubaki, avant d'aller à Kigali, n'a compté à IDPS. Donc, si vous voulez dire parcours à IDPS, parce qu'on a détruit par le Congolais pour rien. Makila batu tangi pour rien. Les loyaux, résultat, moi, l'exception. Kabila a exposé IDPS. Parce que la Kabila savait l'IDPS. Il avait seulement peur de papa Tshisekedi. Il savait que papa Tshisekedi, des fois, il envoyait l'argent à papa Tshisekedi. Mais avant que banga papa Tshisekedi dit que, vie oyo, si on a mis tient la poste, vie a compliqué. Mais Kabila a pêché Félix facilement présidence de la République. Parce qu'il y a dit que, na papa n'a rien à y légal, le cas des amis. Jamais Félix a voulu trahir. Mais papa Tshisekedi, même s'il recevait son argent, a eu un bétail, ma cousin a commis pour un politicien, il y a Kala, il maîtrise ma cambabélé. Félix n'a rien, il fraîche. Il y a un peu aussi ça, même école, mais il y a un mécanique, il y a une pratique mécanique, donc il ne connaît pas rien. Il y a un communicable avec facilité, à Tshisekedi, Félix pouvoir. Mais en réalité, je vous assure, peuple congolais, si c'était papa Tshisekedi, Félix Kabila, qui est président, c'est ça. A quoi pèse papa Tshisekedi président? C'était parce qu'il a dit que papa va changer ma kambou. Mais pourquoi pèse Félix? Il sait qu'il n'y a rien là-bas. Donc ce mot-là, il parcourt la partie où papa Tshisekedi mange, mais il a dit qu'il a un peu bien quitté. Mais le fils a dit qu'il a un poisson. Et Kabila, ça, il y a un peu de l'accès à la Congolais. Que parti où il a un peu de l'accès à la Congolais. Il a un peu de l'accès à la poisson. Avant tout comme en 2023, l'IDPS n'est pas au commun national, soit c'est l'explosion, parce que tu as un pantalon dans les chouchous, et tu évites que tu n'aies pas au Kendi, ou tu commis trois jours le lundi, ou je crois troisième jour, tu évites qu'est-ce qui va se passer dans ce parti, et à venir la partie en Ekeboy. Félix Azan est président, Naza la présidente IDPS, Naza sous-président IDPS, il s'en fout de tout, il s'en fout de tout. Pour débrouiller qu'on a, on a ma gamme labino. Et. N'est-ce pas au risque que l'UDPS devienne le palou de. Aujourd'hui, palou a combien de députés? Nakati a parlé, combien de sénateurs? Combien de ministres? Et vous savez comment Kabila a enchéri le palou? Vous savez combien Kabila a enchéri le vieux papa Kizenga? Vous savez combien Kabila a enchéri un bango? Aujourd'hui, où sont les gens du palou auprès de Kabila? Il faut avoir l'idée de ce qui arrive dans ces parties l'UDPS. Alors pour clôturer, ben nous avons coronavirus. Coronavirus, peuple congolais, et Zakosala Moussala, nous avons la carte à Congo.
Alors selon l'information de Soubabina Bisho, le match de football est suspendu, même la CAN, qui est organisée en 2020, je crois que c'est au Cameroun aussi, au Gabon, ils ont annulé pour la cause du coronavirus. Et puis, la révélation de ce que je veux dire, que le Camerounais, parce que deuxième personne qui a découvert qui a un virus, c'est un Camerounais. Alors, Camerounais, on a moi, si je peux tester positif, les Camerounais, on ne le voit pas, toujours à Kaka. Et puis, le monsieur Faustin, il paraît qu'il y a un virus qui a été fait pour y avoir un PCR soin rapide. Faustin, en tout cas, il y a une relaxation sur les symptômes de la virus. Je crois qu'il y a eu une forte pression de la diaspora pendant le Kouana Faustin. Et sa famille aussi ont commencé à multiplier les vidéos sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a aussi un motion pour que libérer Moutouana rapide. D'ailleurs, selon l'OMS, il y a Balobi Keno, Kalamingite, Batinimbon, il paraît qu'ils ont envoyé l'argent. L'OMS a débloqué. N'habitez si c'est combien. Les gens disent que 19 millions de dollars. Bon, on ne sait pas, comme on n'a pas encore le chiffre officiel. Moeto le Belabino, exactement. Selon les informations que nous avons, et où type la télévision et qui ça, l'OMS a décaissé l'argent pour la Makambouya virus. Donc, coopération à Chulombo et Simbi. Bah bendi moi le koto nabango pona makambo ya virus et coronavirus. Alors mort de bienvenue à Palata. Katumbi inconsolable déplore le manque d'infrastructures médicales appropriées qui a tué le député. Député Akoufa Kazaki, député à G7 pour la compte à parlement kuna tout ça Akoufa qui a kenda y voyage na Kisangani, c'est là où il a été Akoufa paye à son âme. Katumbi alobi que les alaki infrastructure médicale les athées na katamboka singi ba konjamboka ba bongisa ba infrastructure, bah ça c'est n'importe quoi. Moïse Katumbi même le singi biloko wana tout ça ce sont au lieu bo bunda boko mana pouvoir comme ça boye bandeni boko sala biloko wana yozo senga bateau bazan esprit a détruire mboka wana ba sala ba infrastructure la solo médicale. Mais vous rêvez ou quoi? Voilà le pourquoi toujours balabino, soit vous êtes des complices de malheur du congolais. Vous savez combien de personnes meurent au pays chaque jour dans les hôpitaux là au Congo? Vous savez combien? Vous comptez les députés, mais combien de Congolais meurent chaque jour dans le pays? Mais il faut chercher à renverser ce régime, récupérer le pouvoir pour changer les choses. Mais vous demandez à ceux qui causent la ruine d'arranger la ruine là. D'ailleurs, la ruine ensemble au Congo, ça leur fait du bien. Donc, Katumbi a habité. Ba conseiller naye bazana bango pembe ni soki bazo pese ba conseiller nini ba conseiller plutôt nini nous on ne sait pas. Donc voilà un peu ba dossier oyo tozala ki nango lelo awa peuple congolais pona kula kisabino awa et répartition ya ba poste ministériel to sur le baki na bino ke FCC a kozo 65% et puis les cash a kozo 35%. Donc mawatro amboka Mawatro, bandi kunangai, oyo, boza kulandelangai, awa. Alors, je crois que ceux qui information sur ces athées, mais j'ai écouté que la RDC est déclarée éligible au fonds pour la consolidation pour la paix, donc pour une durée de 5 ans. Alors, je ne sais pas, Mbongwana, et Outawa, puis ceux qui ont un organisme international pour la paix à Congo pendant 5 ans. Et si c'est combien de montant d'argent? En tout cas, on ne sait pas, nous allons continuer à vérifier. Et pour clôturer, Lac Uvira. Lac Uvira est devenu une poubelle et un danger pour la population. Donc il y a des déchets, il y a des morts dans Lac Uvira. Alors le gouvernement ne fait rien, il n'y a pas même de matériel pour sonder l'eau, tout ça, pour sonder lac. Donc il y a tellement le désordre chaotique dans le pays, bon, comment ils peuvent gérer le lac, ils ne savent même pas comment l'administration peut fonctionner. Donc ils allaient passer ming lac Uvira, ils accoucoma poubelle comme peut danger. Quand la mine était au bas, bah qu'on a coupé les choses. Et puis le gouvernement global, on a toujours pas mesure. Tandis que, bah ils savent que le lac on est commis déjà poubelle. En tout cas, merci beaucoup, on a bien entendu Bolandi Bisho, Bolandi Bisho l'émission. Oyo, t'as écouté l'émission Balassima. Ciao, peuple.